l'événement numérique et innovation DigiNova 2019. Avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le MEDEFNC, l'université et l'OPTNC, bouscule votre réalité avec ce programme. Travaille avec dans tout ce qui traite de l'observation de la Terre. Donc nous, on travaille principalement avec des données d'imagerie satellite. Alors l'imagerie satellite, qu'est-ce que c'est? On a des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes à peu près 700 km d'altitude et qui prennent des photos de la Terre, en fait des images et des représentations de la Terre. L'avantage en fait avec ces satellites, c'est qu'on a de l'information à de larges échelles, donc on arrive à voir beaucoup de choses en fait en une image, et on arrive à voir notamment des informations qu'on ne voit pas à l'œil nu. On a notamment des images qu'ils voient dans le proche infrarouge, par exemple. Donc on aura des informations sur la végétation et autres, et sur plusieurs éléments en fait, que l'œil nu et l'œil humain ne pourraient pas voir avec le spectre du visible. Majoritairement, nos utilisateurs sont les gestionnaires des territoires. En Calédonie, il y a une particularité, donc la plupart du temps, ce sont les gouvernements. La particularité calédonienne fait que la compétence environnementale est une compétence provinciale. Donc dans tous les cas, on va majoritairement travailler, nous, avec les institutions, et également avec les associations de gestion environnementale. On a l'Observatoire de l'environnement, on peut avoir des associations un peu moins conséquentes comme des associations à Touho, etc. ou au Mont-Panier, d'Ayubik, Kouepou, Bureau d'études et autres, qui eux vont utiliser nos données pour répondre à des problématiques. Donc on a des problématiques de gestion un petit peu des ressources, des milieux et des ressources, gestion durable des territoires, mais également des problématiques, on va dire, d'état des lieux, quel qu'il soit, en termes de captage d'eau, de gestion des eaux, de cartographie des formes érosives, d'impact de l'activité minière du coup sur les montagnes et sur l'environnement, d'impact des incendies, des feux de forêt, un gros sujet également, savoir ce qui brûle et où est-ce que ça brûle. Voilà, beaucoup d'informations qu'on collecte en fait au profit des gestionnaires des territoires. Donc on fait vraiment de l'aide à la décision. L'événement numérique et innovation DigiNova 2019. Avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le MEDEFNC, l'université et l'OPTNC, bouscule votre réalité avec ce programme.